Karibu sana mpenzi mtazamaji wa PPTV as a Perry Pro TV. Ni kukumbusha tu kwamba usisahau kulike, kusubscribe na kucomment pia ili uwe napata habari zetu kwa faster zaidi. Ni baada ya safari mrefu sana kutokea maeneo ya Uvira mpaka hapa Kiliba. Nadhani tumewasili Kiliba tayari na waliotufikisha hapa ni Foundation Good Luck The Great. Foundation Good Luck The Great ni watu ambao ni foundation ambayo inaendelea kupambana ili kusukuma watu kimawazo, kiakili, ili waweze kujua namna ya kujikwamua kimaisha. Na leo wako katika semina yao ya Kiliba ambayo wanakuambia Atelier de Reflexion. Atelier de Reflexion ni semina ya kuchangia mawazo ili kuonesha watu ni namna gani watu wanaweza kujikwamua kimaisha zaidi. Itaanza ni saa 7, tayari wanakaribia kuanza hivi saa 7 na itaisha saa 11 kamili na tunaweza kurudia nyumbani Uvira. Haya na mambo mengine zaidi, shuhudia gisi mambo yote yatapitikana. Hii ni Perry Pro TV. Mimi ni mtangazaji wako Lucien Mutukwa nikiwa kwenye microphone, nyuma ya kamera akiwa KL Le Pro akishikilia ufundi mitambo. Wafike ili wapate kuzungumza na watu wa Kiliba.
sisi sote pamoja tuone namna ya kuweza kujenga mji huu wa Kiliba. Tunakushukuru kwa ile sababu maandalizi yako ni mengi, hakuna mwanadamu anayafahamu zaidi, wewe mwenyewe unayafahamu na unafanya kazi zako. Ndio hivi sasa tunakuwa hapa. Asante kwa sababu umekwisha kutayarisha na kuleta wale ndugu wa vijana wetu ambao watazungumuza juu ya hali ya hii mji wa Kiliba. Wote wamoja wanakuwa tayari hapa, na labda kuna wengine wangali watafika. Wote tunawaweka mikononi mwako, wasafirishe vizuri. Hivyo ndivyo tunahitaji uwe pamoja nasi, na tunahitaji baraka zako zionekane katika mkutano huu. Mafundisho tutakayoyapewa yapate nafasi kubwa kwa wale watakayoisikia. Tunasema hivyo na tunajua kwamba unatusikia, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nasema tena jambo. Jambo sana. Theme ya kwanza yenye tutaangalia yote ni neno yenye watu wachaga sikia kila siku. Na tunasemaga shimoto kila siku. Ni development. Development mswali maana yake maendeleo. Hapa nitawasii atupapasa nisi masomo. Tuanze kusema mautewe fulani, walisemata hivi. Tutaisee kuwa pratiki. Tuwelewe maendeleo, pratiki mwa miayo. Napana mateoria mwavitabu. Kukwene waifanyama hizi lele lata hapa. Kifanayua vya mingi vya maendeleo. Meni mateoriza kabami ni vitabu ya kabami. Sasa shie, kuatana na mkunda yetu na mingine, haita tuungusu. Jute wa mwelea, vitu vile viko pratiki. Mais il faut terme générique, il a englobé, ni kamoa mais il a englobé biote ya maisha. Donc tant on a ce match changement. Alors c'est ce match changement moi c'est moi à tout ya maisha. C'est que ni ko englobé kila kitu. Kenye kina cadré na maisha ya mtu. Alors, il y a changement, il t'a profité quoi nani? Bon, on va aller au mien de la chora qui d'autres. Il changement, il n'a pas à profiter pour mourir l'homme. Donc, ça on a ces mêmes changements. Normalement, à tous les oiseaux, changement dû à Nyama. Changement dû à Mutoni. Changement dû à Poli. Vile vete tout à l'heure, vous visez ma main, on a dit que tu as un zunguru qui a, mais pour mourir. Tout comme leo hii mitoni yetu kuna tunasema iko na valeur. C'est parce qu'elle a tout ça idée chez. Donc au centre tuko na mtu. Mais ule mtu anapaswa kuwa changer mu madomene za mingi. Hizi ndio madomene tunaweza taya zimoya, justice, environnement. Ma infrastructure. Les amis, ma domaine. Mais ici, domaine les autres, pour que tous ces maisons changent, ni pour intérêt, il y a moutou. Bon, mon nom, mais après, tu n'es qu'à mettre un sens très général, hein, parce que mon homme, ni moutou. Mabadili, changement, il a profité pour nous. Donc, pour comprendre que changement est autre. À toi, si sous-entendre que vous aimez un changement, comme à un amour. Du comme tu as aimé le Kiliba, tu appelles Kiliba et amour. Mais du coup, à toi, c'est ma. C'est ce qu'il y a un mot, tu as aimé la forêt équatoriale et amour. Yale ni kusema kila mtu amepata papier na bike aandike yale yenye atasikia na kwenye kusikia mzuri
anote juu atauliza. Kuuliza ndio patamkufunulia nini batakapo kuuliza pale. Tunaweza weka mbili kwa ile mwenye kuna kuulizo aulize tume tesema na hiki hapa amjibie kwanza mara moja. Asante. Si nous avons si raïa, nous avons parlé aux politiciens pour nous manipuler bien. Nous disons, quand nous avons dit que 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 nous avons dit kila mtu mchef yake ipo kwa sababu muangalie tu mwe wote bafanya siasa wote kamata tu bau kwetu pia kila mtu anapasha kuwa anagabula akifika hapa ndio basi hapa hapo basi. Moye kado ça demande un peu de moye tu as kudema tu as kudemare. OK. Oh, malgré il a l'homme moyen qui dogo, la salle n'est pas aussi très facile. Tout mon congo quoi tout comme congomane. Tout qu'on a plus de 10 affaires, 10 business. Il y a une na franc zénie à zéro 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 à 10 dollars. Pourquoi créer un entreprise y a mon congo après y a qui se fait. Comme on a 100 dollars pour commencer. Kama huko na 50 dollars tu peux commencer. Ça 50 ndio kwa mota kabalo. Nyuma hakuna masina na kuwaka. Ni votre façon de voir les choses. Ndio habari. Or, parmi les entreprises les plus rentables au Congo, et yeye unaanza anza chini ya dollar 200. C'est comme ça. Kiliba gisi tuko kwa Kiliba. Inaona Kiliba na Sange jeui. Mais si tu connais la carte, c'est cadeau. Je suis en train de faire des choses pour créer des entreprises. Mais si tu connais la carte, tu sais que tu connais la carte. Tu sais que tu connais la carte, tu sais que tu connais la carte. 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 Tu sais que tu connais. OK. Jo ile kwanza ile. Na mko na zingine mabadani. Hapa kwanza ku entreprise kwa commercial. Kufungula mlango kufungula mlango ya kuhusisha mainiti. Inaanza na ngapi? Ah, kama uko kipe pale utapata wakati ya mtu kiasi kudala tuje kwa kudala. Mtu mwenye anacho don kwa intelligence. Après ma analyse, on comprend que être intellectuel est étroitement lié à l'intelligence. Quoi intellectuel, il est dans la filière. Par exemple, quoi tu n'as pas un diplôme, je quoi intellectuel. En français maintenant, l'intelligence n'a rien à voir avec les papiers. Mais il y a quoi à compter ça, ni savoir faire, ni savoir vivre. Kujua kufanya na kujua kuishi ndio kenye iko kwa mwili maisha yangu.
haiko tu diplome, diplome ni mapapie sa zingine, wanatona mapapie kwa hapa, papie hii, kila mtu anaza kuwa nayo me. Kenye wanapenda kwa hapa, haiko ni madiplome, ni vile wenye wanajua kufanzia wengine, kwa sajia wengine. Nyo wengine kukona kafu. Unaanza kuwa bila diplome, me unakuwa mtu wa majaa, mtu mwenye afananaki na wengine. Diplome ni mtu, mwenye anaza tishe wala anapana franc, utapate papie ya diplome. Hata kama alifanga yake banana masomo yote ya kwanza atoa print tatu ni meza naenda yake fikala kule siku pia nasoma andesha na pia alipana franga bana mtaji diploma mais intellectuel yeye ni mtu mwenye alikuwa kama kwa example utasu mingi masomo kuliko kupitia kuandika sababu ile kuna wapewa diploma hata ashinde anajua kama mwaka mzima nilisoma miezi tatu nikabana kufanya kazi hii. Hata kama ataona mimi nilishindwa kwa sina akili ya mimi ndio anakuwa kuhusia juu ya mimi mwaka ajikaze asome sana na wewe. Les diplômés brandissent leur diplôme avant de montrer ce qu'ils savent. Tandis que les intellectuels mettent en avant leur savoir. Les diplômés ne veulent que mes mains. Ma mini. Ma boca tu. Quand les gens qui me disent qu'ils jouent, quand les gens qui me disent qu'ils jouent, quand les gens qui me disent qu'ils jouent, quand les gens qui me disent sasa wewe kwa leo unaisha wenye unajua kwa watu unaanza kwanza oh mimi ni master nataka kitu fulani na kitu fulani juma lapa kogo pale kwanza unaisha wenye unajua ndio ni presentation wangu kwa sababu mimi ni master niko distance niko na niko hivi na hivi na wiki na kashe kwa pesa yako nyuma ya hiyo diploma mimi intellectual eh anachoma mtu mwenye anajua hata kama atakaje kujipresentate nyuma kama alisomaga kusoma. Mais alors nous avons des efforts à faire, des efforts dans la terre, mais les vieux qui n'ont pas de terre. Quatrièmement, les diplômés accordent plus d'importance à leur apparence physique, tandis que les intellectuels n'ont pas le temps pour les bling-bling qui se trouvent occupés avec ça à leur site. Bah, diplômés, on va les voir tout venir. Quand on a un monde à l'Inde, on va les voir tout venir. Avant les vestes, on s'est parti à mourir, on s'est parti à mourir, on s'est parti à mourir, on s'est parti à mourir. Mais l'intellectuel, avant qu'il n'y ait de monde, il y a un peu de l'échec, il y a un somme, à diffuser tous ces trucs qui ne sont pas écrits à mal. On est les moutons à voir ma veste, on va partir à mourir, on s'est parti à mourir, on s'est parti à mourir. Parle avec trop d'assurance, mais les intellectuels laissent la place au public de l'amour. Diplômé, à quoi comme tout à pousser ma kidou, dans assurance, mince. Attaque à ma adjoui, comme un diapo. En acasier, à vis, puis l'attaque pour Pounam, ou Tchoumouche, mais intellectuel à quoi, en assassin ma kidou, en acquête à toutes les villes, Yuliou, Dieu à Tchoumouche, qui, Dieu à Dieu, qui est Sema, à quoi tu dis, mais diplômé, en appelé contre la part à Sema, oh, non, on n'a pas, mais pas de l'école, il va ouvrir. Waka, ajuki sivi le degak, meendi kwa maisha, majenga kwa nini? Kusa ni mtu fulani, anaacha France. Kwa na kuketu na sema kitu, na sema kitu na kuna kuhakikisha na ajua kwa kitu kusaidia wewe. Septema, le diplome, parle trop et écoute moins. Tandis que les intellectuels écoute plus que quand même. Va diplome dans la sema par mille, mais alors qu'il y a des moudas qui se fait avoir ça. Mais les intellectuels, ils veulent obtenir la psychiatre, il y a mis pour la semaine d'eau. Effectivement, les diplômés deviennent plus agressifs, donc ils nous sont comparés à manque d'argument, tandis que les intellectuels gardent leur calme dans la plupart des situations. Les diplômés, ils veulent venir, ils vont pas en à dire. Attends, à bana raison. Mais ça, on peut dire que je pas dire à raison. Ça veut dire que nous discussions pour une discussion à quoi. Hata kama unamshinda yende wa makosa. Hawezi jibu. Anajitia ukali, jinsi akifuyo twete tufuyo juu. Aonekane kama yeye ndio mwenye kuna rezo na ana rezo. Intellectual atakuwa na rezo mimi ananyamaza kimya. Tu situation ishe pale ndio kimya. Kuna kama mwalimu kuna mtu anajibu. Maliza, tusikuwa natanganyika na watu kwenye wanakia na wapapio mtukefu. Hakuma na wanisha mtu kwenye lauza, waweza kuwafanzia,
kubadilisha mengine ya kuta changement. Hapana kwa tunawaambia mapapia madiplome iko nayo, unamtia kukazi, unamtia kwa kitu mnakushinda. Ndio maana tusikona shituka na mtu wa mapapia. Mapapia naona ndio zipata ni pesa zingine tunaonaka ina na mbiandisha. Ndio hivyo ni viko, hapa wakitu ya tala kwa kanzia, tu mwende kushangishwa. Hawa na malizia pala. Nazali teme yetu iko toujours atelier de réflexion du kiliba yendelee. Dada mwalimu, natani yue katika hawa watu wawili. Kenyusha diferansio bende ya hawa watu. Ni nani mwenye atageuza kiliba kuwa mupi? Masikia jibu ya mamu ya mwalimu. Anasema intellectuel. Hapana diploma. La réponse est à maman. Il faut juste que tu adopté voilà les clés. Oui, maman. Anafanya mambo kwa ajili ya kubadilisha wengine. Lakini diplome yako pale tu juu tu mie. Unaona? Mnajua ni wale 30. Na wazia kile. Je reviens, narudia ku proposition mama Teresa Debi. Alisema il faut qu'on donne encore les temps suffisamment si vous voyez avant de tout enchaîner le débat jusqu'à la fin. Tu as discuté de Mingi San. Mais dès lors que Turquie a voyé les aliments, dans ce qu'on appelle la Turquie, tu as limité ma question. Tu as tout aimé, mais on va reprogrammer ça prochainement. Et les Taftabana. Pourquoi moi aussi, Antoine Réjean? Je vais se prendre une ligne, vas-y, moi aussi. Moi aussi, on est en train de faire.
Je vais vous montrer comment vous pouvez faire.